Hier, lors du match de la Ligue des Champions entre Manchester United et Copenhague, le gardien de Manchester United André Onana a réalisé un arrêt crucial. Dans les dernières secondes de la rencontre, Onana a repoussé un pénalty, préservant ainsi le score de 1-0 en faveur de son équipe. Cet arrêt a permis à Manchester United d'enregistrer sa première victoire en phase de groupe de la Ligue des Champions cette saison. C'est un exploit significatif pour Onana et Manchester United, et cela pourrait être un tournant positif pour leur saison en Ligue des Champions. Bien évidemment, tout dépendra de comment ils vont aborder leur prochain match. En attendant, le héros de cette soirée, c'est André Onana. Cette victoire pourrait marquer un tournant dans leur saison en Ligue des Champions. Nous attendons avec impatience leur prochain match pour voir comment ils vont capitaliser sur cette victoire. Car s'ils veulent garder leur chance de se qualifier pour les huitièmes de finale, il va falloir garder cette dynamique et surtout gagner des matchs. Au cas contraire, ils seront éliminés de toutes compétitions européennes. Manchester United a encore 3 matchs à jouer dans la phase de groupe de la Ligue des Champions, selon le calendrier suivant. Mercredi 8 novembre 2023, ils devront à nouveau affronter Copenhague. Mercredi 29 novembre 2023, ils vont affronter Galatasaray. Et pour finir, ils vont affronter le Bayern mardi le 12 décembre 2023. Ces matchs seront déterminants pour la qualification de Manchester United en 8e de finale. Pour le moment, ils occupent la 3e place avec 3 points, derrière Galatasaray, qui a 4 points après ses 3 journées. De tous les 3 matchs qui leur restent, le match contre le Bayern sera le plus difficile. Ce qui veut dire qu'ils ont intérêt à maximiser sur les 2 autres matchs, en sécurisant d'abord 6 points. De cette façon, ils affronteront le Bayern avec au moins 9 points. Et à partir de là, un match nul leur permettrait de se qualifier.